Ce jeudi, les organisations syndicales SPEG, FO et UNSA ont décidé de suspendre le mouvement de grève dans l'éducation. Pour cause, l'intersyndicale se dit satisfaite des dernières réponses apportées par le ministre de l'Éducation. Aujourd'hui, nous avons pris la décision de suspendre le mouvement de grève compte tenu des avancées obtenues au niveau académique et aussi la décision qui a été prise aujourd'hui au niveau du ministère de l'Éducation nationale qui a décidé, je me répète, de suspendre les 72 suppressions qu'ils avaient décidées pour la rentrée 2020 au niveau de l'Académie de Guadeloupe. Les grévistes vont donc réintégrer leur poste dans l'enseignement et cela dès demain. Toutefois, ils vont rester vigilants quant à l'évolution des choses. On suspend le mouvement, donc ce qui signifie, eh bien, chacun va être devant chez ses élèves, dans sa classe, reprendre les cours également, mais nous sommes alertes, vigilants. Ça ne veut pas dire que tout est fini, ce n'est pas ça. Il va y avoir des réunions de travail, il va y avoir des séances de travail avec les responsables. Et puis, on verra. S'il s'avère nécessaire de reprendre, eh bien, malheureusement, les circonstances feront que. À la mi-journée, la FSU a également annoncé une suspension du mouvement de grève. Suite à ces annonces, le recteur a demandé aux chefs d'établissement, aux inspecteurs et aux directeurs d'école de tout mettre en œuvre pour la réouverture des établissements scolaires. Une réunion est prévue lundi à Paris au ministère de l'Éducation. Celle-ci donnera sûrement le ton pour les prochains jours.